Le ministre du Plan a assumé sur le crédit les centres de formation des agents recenseurs. Dans les communes de Conakry, ces agents seront utilisés dans le cadre du troisième recensement général de la population et de l'habitat. Les opérations seront lancées le 1er mars sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement et ses partenaires au développement attachent du prix à ce recensement. Tierno Ousmane Diallo, le reportage. Première étape à suivre avant d'entamer la formation. S'assurer que son nom est inscrit sur la liste des personnes retenues. Pour la plupart diplômés sans emploi, ces jeunes espèrent tous dans quelques jours faire partie de 9000 agents recenseurs pour le compte du 3e recensement général de la population et de l'habitat. Monsieur Sila Moussa Bala de la société civile de Kaloum. Ce matin, nous sommes venus pour suivre la formation. Les autorités de Kaloum nous ont dit qu'on ne peut pas rentrer parce qu'il y a un autre groupe qui est là, qui suivent la formation. Depuis 7 heures, ils étaient là. Ils ont mis les gendarmes qui disent qu'on ne peut pas rentrer. Nous réclamons notre droit. Vous savez, depuis 2 jours après, le gouverneur de la ville de Conakry a amené une liste signée par lui, disant que la liste-là doit être prise par le maire de la commune de Kaloum pour que ces gens-là puissent suivre la formation et être déployés sur le terrain. Alors qu'il y a une première équipe qui a fait le test. Après, les résultats sont sortis. On nous dit maintenant qu'on ne suit pas la formation. On est admis 76 personnes. Maintenant, il y a un petit groupe de RPG arc-en-ciel jeunes qui sont venus ici, que nous les connaissons tous dans les quartiers qui ne veulent pas que nous suivons la formation. Nous sommes venus à la commune, à notre fort étonnement, suite à un texte déjà fait préalablement. Ils ont affiché le résultat. C'est un texte qu'on a fait depuis le 27 décembre 2013. Ils ont affiché le résultat le 29 janvier 2014. Donc tout le monde a pris connaissance du résultat. Ceux qui étaient admis s'apprêtaient tout simplement à la formation. Mais à un jour de la formation, le samedi, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry a convoqué une réunion nocturne des maires des 5 communes de la ville de Conakry, leur demandant de révoquer toutes les listes, c'est-à-dire les résultats, au profit d'une liste qu'il a établie à son niveau là-bas, sans aucun critère. Nous sommes vraiment fiers de retrouver notre nom et puis de faire le travail qui nous attend. Et ça me va droit au cœur de voir ou bien d'entendre ma population se faire recenser durant... ça faisait 16 ans de cela qu'on n'a pas eu ce genre de recensement, donc c'est une bonne chose pour la République et pour la nation. Le troisième recensement général de la population et de l'habitat est prévu du 1er au 21 mars prochain. Une opération qui va durer 3 semaines avec pour but connaître le nombre de la population guinéenne afin de mettre au point des politiques de planification réellement adaptées aux besoins. Dans les 5 communes de Conakry, la formation des agents recenseurs est lancée par le ministre du Plan. La population étant au centre du développement, sommes tous conscients qu'une population qui n'est pas instruite, population qui a faim, une population qui est malade ne peut pas assurer son développement. C'est la raison pour laquelle ces secteurs sont très importants pour le gouvernement. Mais pour planifier le développement, il faut avoir des chiffres fiables sur la population. Donc c'est l'objet, l'intérêt de ce recensement pour le gouvernement et pour nos partenaires de développement. Parce que toute leur aide va dépendre justement de la connaissance de ces données. Les résultats du recensement qui démarre dans quelques jours vont être connus en 2015. Toute la population guinéenne sera touchée, assure le ministre du Plan. Le dernier recensement de la population guinéenne remonte à 1996.